On a un gros problème sur la santé mentale et sur la psychiatrie en général qui est absolument pas valorisée et soutenue dans le pays. Et l'assurance maladie, un peu en catastrophe, a prévu sur prescription médicale de prendre en charge. Donc vous allez chez un psychologue. Quatre séances de psychologie remboursées par l'assurance maladie sur prescription médicale. Et pour les étudiants, vous avez maintenant le ticket psy, trois tickets psy gratuits pour les étudiants. Enfin, quatre séances, quand on entame une thérapie, c'est peut-être pas suffisant, non? C'est déjà mieux. Écoutez, jusqu'à présent, ce n'était pas pris en charge du tout. Et je pense que vraiment, il faut qu'on fasse un effort majeur sur la psychiatrie en ville, sur l'hospitalisation psychiatrique en général, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que notre pays est vraiment en déshérence complète dans cette thématique-là. Et tout ce qui va dans le bon sens pour améliorer la prise en charge mentale, parce que... le problème du Covid va avoir des incidences secondaires, non seulement économiques, bien évidemment, tout le monde en est conscient, mais aussi sur la santé en général et en particulier sur la santé mentale, qui va se dérouler en moyen terme, pas de suite, mais dans quelques mois, on va se rendre compte des dégâts.